Mal ça. Il n'y a qu'à l'OM, tu vois ça. Il n'y a qu'à l'OM, tu finis un débrief de l'OM en sang. Oula, tellement j'avais la haine. En sang, les gars. J'ai du sang sur les mains. Les joueurs, ils ont du sperme sur les mains. C'est branleur. La vie de ma mère, c'est grave, ça. Oula, d'où tu finis un débrief comme ça, les gars? Là, on a changé de président, on a changé d'entraîneur, mais on a oublié le plus important, changer les joueurs. Oh là! C'est pas l'entraîneur qui met le ballon au fond des filets, les gars. Oh là, on a... Ouais, Isaac, n'oublie pas. Si le professeur te dit qu'est-ce qu'il fait ton papa dans la vie, tu lui dis il fait ce qu'il peut. Et c'est déjà très bien, d'accord? Si on connaît les profs qui tapent la honte quand c'est la rentrée, là. Qu'est-ce qu'il fait ton papa dans la vie? Ah, ben il est dans... Il est peintre. Ah, il est peintre, c'est bien ça. Il peint quoi? De l'abstrait, du cubisme? Non, non, il est peintre en bâtiment. Ah, ok, d'accord. Et toi, Rachid, qu'est-ce qu'il fait ton papa dans la vie? Il travaille dans l'espace. Mais c'est bien ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il est astronaute? Ah, les espaces verts? Ah, d'accord. Ok. Et toi, Mustapha? Voilà. Justine! Just! Je suis là, Just! Je suis là, Justine! Bieber! Pète-moi le cul, Justine! Tout juju! Tout stin-tin! Tout juju! Allez, Justine! Tout juju! Les amis, c'est parti. Je vous raconte toute l'histoire avec Justine Bieber. Alors, je vous explique. Vous avez vu que j'ai passé la semaine sur Paname. Donc, j'étais à l'hôtel, tranquille. Voilà, histoire vraie, les gars. Je suis à l'hôtel. Je sors tranquille, comme d'habitude. D'un coup, je vois tout le monde devant l'hôtel. 90% de meufs. Je me suis dit, Momo, bon. Bon, d'accord, je suis surpris, mais c'est la rançon du succès, il faut faire avec. Même si je suis un peu timide et j'aime pas les photos et tout, je dis, ben écoute, Momo, ça fait partie de la vie d'artiste. Hein, faut passer par là, tout le monde est passé par là. Je commence à m'approcher des gens et les gens commencent à courir vers moi. Hé, t'as vu Justine? T'as vu Justine? Tranquille, les gars. En fait, il y a quelques jours, quand je sors de l'hôtel et vous voyez tout le monde qui m'attendait, c'était pas pour moi. C'était pour Justine. Oh là là, Adim, les gars. Voilà. Oh là, c'était pas pour moi. Genre, j'étais là, je faisais le mec. Ah, après les photos, genre, après. Ça me battait les couilles de ma vie. Sur tout le monde, il y en avait trois qui étaient pour moi. Je vais vous remontrer les images. Regardez. Ah, tout ça pour moi. Incroyable. Ça Ça va? Salut le peuple. J'ai une grosse team, hein. Salut la team. Grosse team. Ça va, les gars? Ah, vous êtes venus nombreux, hein. C'est lourd. Hein? Moi, je suis un petit beurre, je suis pas juste une Bieber, les gars. Salut. Oui, c'est avec Justine. Oui. Choquer le monde qui est venu pour moi, c'est incroyable. Hein? Ah ouais, c'est incroyable. Choquer le monde qui est venu. Mort de rire, ils n'étaient pas là pour moi, les gars, ils étaient là pour Justine. Voilà, les gars. Je sors, voilà, il y a une meuf, elle s'approche de moi. Elle me dit, tu l'as vu, Justine? Tu l'as vu, Justine? Et je lui dis, ouais, je l'ai vu, je l'ai croisé. Elle me dit, il va bien? Voilà, qu'est-ce que c'est? Toi, déjà, si tu vas bien, lui, il va très bien, lui. Et toi, ça va? Voilà. Voilà, la team qui était devant, c'était pour Justine, c'était pas pour moi. Et voilà. Fin de l'histoire. Non, je rigole. Le meilleur est à venir, la vidéo, regardez, les gars. Voilà, la team qui était devant, c'était pour... Baby, 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 no. Baby, 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 no. Voilà les gars, palmarès de Mohamed Henny, j'étais dans le même hôtel que Justin Bieber. On a le même hôtel, mais on n'a pas le même salaire. Voilà les gars. Donc voilà ce qui se passe. Donc il y a... Mais tous les jours, il y avait une armée de gens, de Justine, qui attendaient Justine. C'était incroyable. Ils attendaient jour et nuit sous la pluie, les gars. Voilà. Et moi, bon, la vérité, j'ai pas cherché à le voir. Rien du tout, les gars. Rien. En fait, moi, je suis descendu de ma chambre. J'allais sortir, prendre le taxi et partir. Voilà, les gars. Devant l'hôtel, il y avait les fans de Justine qui attendaient depuis 4 heures du matin juste pour l'apercevoir. Moi, je descends de ma chambre, j'avais juste à sortir et rentrer dans le taxi. Comme quoi, je suis pas un chat noir dans tout, les gars. Donc, je sors de l'hôtel pour rentrer dans le taxi, 2 minutes, hein. Et là, je croise qui, les gars, en personne? Justine Bieber, en sperme et en os. La vie de ma mère, les gars. Justine Bieber. Oui, pas Justine Timberlake, les gars. Non, lui, on s'en bat les couilles. Justine Bieber. Donc, il passe devant moi.
Et c'est là que j'ai pris une petite vidéo. Elle est courte, les gars. Elle est franchement courte. Mais comme on dit, c'est pas la qualité qui vaut la peau de l'ours avant de tuer la quantité. On veut le beurre, l'argent du beurre et la carrière à Justin Bieber. Là, je vais vous mettre le court extrait où je l'ai croisé. Bizarrement, il m'a pas calculé. Franchement, j'étais un peu déçu. Il m'a pas calculé, il m'a pas donné l'heure. Oh là, les gars, il est passé devant moi et je l'ai filmé. Et là, je vous montre. Justin! Pète-moi le cul, Justin! Justin! Pète-moi le cul, Justin! Voilà, les amis, l'extrait, il est court, mais il en dit long. Pète-moi le boule, Justin! Mais là, ce qui se passe, les gars, il y avait les caméras de Quotidien. Vous connaissez le média, la Quotidien, sur TMC? Il y avait la journaliste de Quotidien. Elle me voit, elle m'a pris pour un fan de Justine. Voilà, elle m'a interviewé. Je vous montre l'interview, les gars. Voilà. Justine Bieber! Oui, j'étais avec Justine. Moi, je suis un grand fan de Justine. Ouais. Depuis ce matin, je suis là. Justine, on t'aime, Justine. Mais tu l'as vu, du coup? Tu l'as vu? Oui, il est comment, en vrai? Alors, raconte. Eh ben, il a un grand pénis, en fait. Il est bien gaulé, super beau. Et Justine, on t'aime. On reste. 9 de I, c'est la famille. Faut pas toucher. Pistolet en l'air, il n'y a pas de droitier, je vais tout racheter. Et les gars, la Albomada, les gars, il y a Ultra ce soir. La vie de ma mère, je suis ultra impatient. Il va être ultra noir, noir, noir. Minuit, ultra, les gars. Incroyable, les gars. Putain. J'espère que c'est pas son dernier, les gars. J'espère vraiment. Minuit, j'attends ça, les frères. Incroyable, les gars. Aussi, je pense, on est des bosseurs, donc la trahison, on la vit encore plus mal. Mais c'est ça. Et souvent, on croit que c'est nous qui attaquons les mecs, je jure que c'est vrai. Et 90 ans. En direct, les gars. Il est parmi nous. Et qu'en plus, il t'attaque. Là, c'est ça. À un moment donné, il faut se défendre. Quoi. Ah non, mais c'est normal, mais c'est ça. Moi, j'essaie de mettre quelqu'un de juste. Ouais, c'est quoi ça? On est en Australie ici ou quoi? Oh là, un alien. Oh là, ils sont deux, la daronne et porte le fils. Qu'est-ce que c'est? Oh là, des frères siamois en crapaud, les gars. Oh là, l'adem. Et c'est flippant, frère. On dirait que de l'Australie, les gars. Bizarre. J'ai toujours rêvé d'avoir un garage. Et j'en ai deux. Amazing. Hey, nous les Algériens, c'est pas du sang qui coule dans nos veines, c'est du café. Oh là les gars, on aime trop le café. D'ailleurs, je crois que j'ai chopé le variant algérien. Oh là. Quand tu as le variant algérien, tu bois 10 cafés par jour, la vie de ma mère. Tu fumes des cigarettes, des fosses ou du chemin. Vous connaissez le chemin là? C'est le chewing-gum pour daron. Oh là, du chewing-gum avec de la pelouse dedans. Après, il y a quoi? Quand tu as le variant algérien, tu as la flemme. T'as plus envie de travailler, voilà. T'as plus envie de travailler. T'as un immense sentiment de fierté qui t'envahit, voilà. Toute la journée, tu cries, Taïa des aides, voilà. Même il y a une finale de ping-pong et y a un Algérien, voilà, t'es derrière l'équipe. Il y a quoi aussi? On fait pas d'omelette sans casser des œufs. On fait pas d'enfants sans casser des culs. Elle veut mon hume, j'ai Snapchat, elle veut de la pub, je veux sa chatte, chatte. Eh hey, mon fils, t'es libre, libre, libre. Vroom, 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 vroom. Liberta. Toi, je te suce, toi, je te suce, toi, je te suce, toi, je te suce, toi, je t'aime. Avec toi, je veux pas tout gâcher. Mais gâche tout, grosse folle. J'attends que ça, gâche tout. Je veux pas faire la même erreur avec toi que celle que j'ai fait avec les autres. Mais vas-y, fais la même erreur. Fais-la encore une fois, comme par hasard, quand moi je dois baiser, elle se calme. Wallah, c'est toujours pareil. Son vagin, il est déchiqueté. Wallah, son vagin, c'est un chewing-gum mâché qui a été jeté après 3 jours de mastication. Wallah, la meuf, elle vient. Ouais, non. Elle croit que t'es content en plus. Eh, ouais, je me calme. Pour toi, je me calme. C'est pour toi que je me... Non, te calme pas. Te calme surtout pas, en fait. Lâche-toi, grosse folle. Je vois nier. Du moumou, tu devrais voir un conseiller botanique. Botanique? Ouais, t'as pas tort, ouais. Ouais, ça doit être pas mal. Je l'ai pas vu encore. Moi, j'ai vu Titanic. J'ai vu Titanic, mais ouais, botanique, pourquoi pas.
Ça a à voir, ouais. Malikoum, chef, kelak, les baisses, Louis de Khalti. Dis-moi, chef, combien tu me vends l'olivier là? Combien tu me fais? 200 euros! Oh, pour un arbre! Oh là là, c'est cher, hein? Et dis-moi, chef, t'es de quelle origine? Algérien, Djezéir, un Afani, un Akif-Kif, Alouhan Boussik, ah, Malahba. Et dis-moi, chef, t'es de quelle ville en Algérie? Sétif, un Afani, un Akif-Kif, un Sétif, Alouhan Boussik. Et dis-moi, tu connais la famille Betmioui? Betmioui à Sétif, c'est ta famille? Mais c'est ma famille aussi! On est de la même famille! Tu connais Hamdid? Hamdid! Hamdid, il tient le Hanout là. Wild Ammé. Oui, Wild Khalti. Oui, Hamdid, oui. On est la même famille. Wild Bledi Malahba. Combien tu fais ton dernier prix? Dis-moi un dernier prix. Vas-y. Pour la famille, combien pour la famille? J'ai toujours rêvé d'avoir un garage. Finalement, j'en ai deux. Ça te la coupe, hein? Hein que ça te la coupe? Ça te la coupe. Je voulais un expresso, ils m'ont mis un double expresso. Ça te la coupe, hein? Hein que ça te la coupe. Ouais. Je voulais un olivier, ils m'ont mis deux oliviers. Ça te la coupe, hein? Hein? Hein que ça te la coupe. Ça te la coupe, hein? Ça te la coupe. Une bonne petite coupe, il n'y a rien de mieux. J'ai rien à fêter, mais je bois une coupe. Ça te la coupe, hein? Hein, ça te la coupe, hein? Une bonne... Il y a des gens, tu les vois toute la journée avec le sourire, tu dis, oh, eux, ils ont la joie de vivre. Toute la journée, il est souriant, le mec. En fait, il n'est pas souriant, il est juste bourré. La vie de ma mère, c'est vrai. Les mecs comme ça, là, tout le temps bon délire. Ouais, lui, toujours bon délire, toujours partant. Ouais, il est toujours bourré, en fait. C'est pour ça qu'il est toujours partant. C'est pas juste ça. Nous, on doit affronter notre vie. On doit affronter tous les problèmes à jeun. On voit clair, il n'y a pas de bol d'air ou quoi. Eux, ils sont là, toujours rabat. Après, il va te dire quoi? Ouais. Tu devrais prendre l'exemple sur lui. Hein. Regarde, il est positif. Non, il est bourré, en fait. Oh là. Comme tu as des mecs, ils sont toujours partants quand il y a bagarre. La moindre embrouille, il est là. Vas-y. Dis-moi, ils sont où? On y va. La vie de ma mère, j'y vais tout seul. On y va à deux s'il faut. Tu dis, oh, le mec, il est courageux. En fait, non. Il n'est pas courageux. Il est sous coque. Oh là! Combien de fois je vois des mecs comme ça, toujours partant? Le mec est toujours partant pour une embrouille. Non, il est toujours sous coque, en fait. Voilà. Et nous, âgés, on doit tout affronter comme ça. Là, c'est grave. Là, je fume une cigarette. Fut une époque où je fumais des gens. Pas des clopes, je fumais des mecs. Ça te la coupe. Hein? Hein, ça te la coupe. Ça te la coupe, mec. Algérienne, cambodgienne, italienne, mexicaine, égyptienne du côté de mon père. Et je suis une chienne du côté de ma mère. Algérienne.